le premier rond patiné, qu'est-ce que c'était dans ça? Mais ça, c'était en arrière de la maison qui n'existe plus aujourd'hui, sur la rue Notre-Dame, près de l'église. C'était un petit terrain rond, comme je disais, qu'on envoyait dans ce temps-là beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors, à Noël, mon père m'avait donné des patins, et puis c'est là que... C'est là qu'avait été la première fois que j'ai commencé à patiner. Quel âge? 6 ans. L'occasion de Noël. À l'âge de 6 ans, j'avais eu ma première paire de patins. Est-ce que tu te souviens, Jean, la première fois que tu as mis tes patins? Ah oui, je me souviens. Je me souviens de ça. Et puis, je me souviens que j'avais tombé aussi. Et puis, nécessairement, mes deux sœurs me suivent. Alors, pour les condamner, ils avaient fait une glissade qui arrivait sur ce petit patinoire-là. Alors là, après m'avoir essayé, j'ai dit, j'étais bon pour descendre ça en patin. Alors, j'avais monté et puis j'avais essayé. Alors, il faut bien te dire. Mes débuts avec les patins ont été bien ordinaires, comme tout autre jeune. Ça a été sur le dos, comme tout le monde. Les études ont eu lieu alors, les petites études, là, ici? J'ai commencé alors, oui, la première année, comme l'école Saint-David, je crois. C'est une école qui est sur la rue Olivier. Alors, mes 3 premières années, je crois. Et de là, on s'est emmené à l'Académie Saint-Louis-de-Gonzague, jusqu'à 9e année. Collège Victoriaville, 10e et première année technique. Là, j'ai dû abandonner lorsque je me suis emmené à Québec. Pour faire du hockey professionnel? Oui, puis là, j'avais joué ma première année à Victoriaville dans la Ligue junior. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils font en ville ici? Je veux savoir, toi. Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les dernières années, j'ai pas l'occasion tellement de venir ici à Victoriaville. Je dirais aujourd'hui que les jeunes, ça a bien changé, peut-être un peu, de manière de vivre que dans notre temps. Surtout le groupe que je me tenais ici dans ce temps-là, c'était nous autres sport. Hockey l'hiver, baseball l'été. Ça se résumait pas mal à ça. Hockey, tout ça, mais est-ce qu'il y a eu des petits souvenirs, des petits moments, des journées qui n'ont pas rapport au hockey ou qui n'ont pas rapport à autre chose dont tu te souviendrais dans ta jeunesse? Noël? Bien. Jour de l'an comme tout le monde, mais quoi? Oui, nécessairement, je me rappelle. Tout à l'heure, on parlait que j'ai été durant 3 ou 4 ans servant de messe. Alors, je me rappellerai toujours un Noël où la grand-messe était toujours les fonctions qu'on me donnait. Et nous avions servi cette messe-là, je me rappelle. Simplement pour dire que nous avons débuté comme tout jeune. Après la messe, M. le curé, pour les enfants cœur, nous avait seulement qu'un petit sac brun qui contenait une palette de chocolat, une orange ou une pomme. Et on était bien heureux dans ce temps-là. On s'est revenu à la maison peut-être vers 1h30, 2h du matin après ce match de minuit. Bien heureux. Simplement pour dire, les jeunes aujourd'hui qui nous regardent pensent qu'on a pu avoir des débuts complètement différents d'eux, ce qui nous amène à la Ligue nationale. Mais loin d'être là, débuter même façon que tous les jeunes. Joindre la maison, puis jouer un peu dans la rue, chose qui n'est pas conseillée, mais j'ai probablement joué un peu aujourd'hui. Ça fait dire. Et puis, nécessairement, d'autres événements qui a pu parler. C'est des événements rattachés. D'un cirque, certainement, qui a toujours été dans un plus petit centre, l'avenue d'un cirque très important l'été. Et on parlait tout à l'heure que mon père travaillait pour la Shawinigan Water and Power, aujourd'hui qui est l'hydro, a toujours eu la maintenance de la ville ici. Alors c'est lui qui raccordait l'électricité ou donnait l'électricité à ce cirque. Alors nécessairement, il revenait avec probablement le gérant du cirque, lui remettait des passes. Alors c'était un événement, on se trouvait très chanceux que notre père puisse avoir quelques passes, mais qui ne nous coûtait rien. Et même, moi-même, j'ai aidé souvent lorsqu'un cirque arrivait, on demandait de l'aide et on donnait des passes. Et moi-même, j'ai aidé à monter, à travailler au cirque pour, disons, la première journée. Alors, on nous remettait près de l'aréna aussi. Ce cirque avait lieu près de l'aréna. Alors, on nous remettait des passes, chose qui était bien importante. Y a-tu des restaurants où tu te tenais en ville qu'on pourrait aller voir? On avait un petit restaurant tout petit. Je crois qu'il existe encore. C'était un restaurant tout petit. Nous allions là très souvent.
les serments hier, aujourd'hui, il y a les restaurants, quelques-uns d'autres aussi. Mais ce petit restaurant-là est resté pas mal, je crois, le même, à peu près le même style. Quelle impression ça te fait en venant quand même à Victoriaville maintenant, en passant devant l'Arena Victoriaville, qui est devenue depuis 3 ans l'Arena Jean Béliveau? L'impression que ça te fait, ça doit être drôle. Il n'y a aucun doute quand, lorsque je revois tout ça, souvent ça m'arrive de repenser combien dans l'espace de 15 ans la vie peut changer. Qui a changé le plus, Jean Béliveau ou ben Victoriaville? Eh bien, alors, la ville a changé beaucoup, mais moi-même aussi, personnellement, j'ai changé beaucoup. J'étais très timide au début, chose normale lorsque vous partez d'une petite localité pour avoir à faire face à ce que tout ce que j'ai pu passer dans les 15 dernières années.